des étudiantes de l'ENEAM au contact du monde professionnel. Le groupe est accueilli à bras ouverts à la DGAE, la Direction Générale des Affaires Économiques. Ce que nous faisons, entre autres, nous faisons ce qu'on appelle, peut-être vous l'avez appris à l'école, ce qu'on appelle le cadrage macroéconomique. Vous savez, en fin d'année, on parle du budget de l'État. Le budget, c'est des prévisions de recettes et de dépenses. Et ces prévisions sont forcément assises sur un cadre macroéconomique. Donc, il faut savoir... Séance édifiante pour ces futurs cadres. Pour le fait d'avoir accepté de nous accueillir, il faut avoir le mérite. Et c'est le mérite actuellement que je vise. Donc, ça m'a donné envie d'aller plus loin. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, deux ministères stratégiques sont visités par ces étudiantes de l'ENEAM sur initiative de la GIZ pour familiariser ces apprenantes avec le monde professionnel de la politique économique du Bénin. Ce jour constitue le moment de contact avec la réalité du secteur de la planification des finances publiques de l'État béninois. Vous allez à la découverte des activités clés de ces deux ministères. Elle sera déterminante pour le choix. Vous connaissez la DGAE ? Non. La Direction Générale du Budget, l'INSAE et la Direction Générale des Politiques de Développement sont notamment les autres étapes qui marqueront la visite de ces étudiantes de l'ENEAM au ministère de l'Économie et des Finances et celui du Plan et du Développement.